الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. أيها المباركون، sachez que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a mentionné maintes fois cette qualité de at-tawadu' dans des récits prophétiques authentiques. Et c'est lui-même qui a dit man tawada'a lillahi rafa'a. Allahumma ij'alna minhum. Il dit celui qui agit avec on revient vers la modestie rapporté par Muslim. Celui qui agit avec modestie, c'est-à-dire qu'il ne se sent pas supérieur aux autres. Qu'est-ce que c'est que la modestie? On va laisser les pieux, les vertueux nous donner des définitions qui vont nous laisser bouche bée et nous rappeler voilà la différence entre eux et nous. Illa man rahim Allah. Mais d'abord, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'a-t-il dit? Man tawada'a lillah rafa'a. Celui qui agit avec modestie, c'est-à-dire il se sent pas supérieur aux autres. Je suis le meilleur. Toi, tu ne connais rien. Même si c'est vrai, c'est possible que ça soit le meilleur dans un domaine. Mais le modeste ne le dit pas. Le modeste ne le montre pas. Le modeste agit toujours avec retenue. Tout simplement parce que il sait que c'est ainsi que Dieu va l'élever. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, man tawada'a lillah rafa'a. Celui qui agit avec retenue, modestie. C'est pas moi, je connais tout. Non. Il est discret. Il agit avec discrétion. Tu ne le remarques même pas, bien qu'il ait des capacités bien plus élevées que ceux qui sont autour de lui, mais il reste discret. Eh bien, le prophète dit Rafa'a, c'est qui? Rafa'ahu Allah. Allah Jalla wa'ala l'élèvera ici-bas et dans le delà. Et ainsi était le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a toujours agi avec modestie. C'est celui qui, quand la personne venait le voir en tremblant, par respect vis-à-vis du prophète alayhi salatu wa sallam, il disait calme-toi, calme-toi, je suis juste le fils d'une servante ici qui mangeait de la viande séchée à Médine. Donc c'était quelqu'un de très modeste. Et il n'a cessé de se rabaisser, pas par faiblesse. Attention, la modestie ce n'est pas une faiblesse, c'est une qualité, c'est une force. Il se rabaissait pour plaire à Dieu et parce qu'il n'aimait pas écraser les gens. Il ne voulait pas se sentir supérieur devant les gens. Et il savait que c'était comme ça que Dieu élevait les gens. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a cessé de vivre avec cette modestie. Et tout au long de sa vie, eh bien, nous retrouvons la modestie du prophète alayhi salatu wassalam qui nous donne de grandes leçons aujourd'hui ou au jour où beaucoup d'entre nous aimons être les plus avancés, les meilleurs, les premiers. Peu importe les causes, je dis. Parce que quelquefois, être le premier, c'est bien. Peu importe les causes. Quitte à même faire du mal à autrui, on est prêt à le faire. Illa man rahim Allah. Sauf celui à qui Allah fait miséricorde. Le prophète, alayhi salatu wassalam, après qu'il ait été persécuté, après qu'il ait vécu de la misère, après qu'il ait patienté, après qu'on les a boycottés, après des années, quand il a fait Fath Mecca, il est rentré à la Mecque, il a repris la Mecque, sans verser une goutte de sang. Une goutte de sang, il ne l'a pas versé. De par sa sagesse, de par sa clémence, de par son intelligence, alayhi salatu wassalam. Car quand il agissait, il regardait les conséquences. Résultat, il est revenu reconquérir la Mecque sans verser une goutte de sang en paix. Comment il est venu? Avec une armée, avec des croyants, des centaines, des milliers. Pensez qu'il est venu en levant la tête et en rabaissant Abu Soufyan et compagnie qui ont tout fait pour l'écraser. Il a dit, celui qui est dans la maison de Abu Soufyan, fahoua amin, il est en sécurité. Que ceux qui sont chez eux, femmes, enfants, hommes, ils sont tous en sécurité. Et il est rentré, comme a dit Afis Sahih, la tête baissée par humilité vis-à-vis de son Seigneur. Alayhi salatu wassalam. Hana, tu gagnes juste un match de foot avec ton copain, quand tu gagnes, on a l'impression que tu as gagné la finale de la Coupe du Monde. Ah, c'est moi qui ai... Je t'ai gagné, akhi. Bien sûr que ça, c'est un jeu, c'est un amusement, et pas de mal. Mais pour vous dire... Quel aurait été notre comportement si on avait fait Fath Mecca? Hein, on serait rentré avec l'armée comme ça. Avec... Non, il est la tête baissée par honte, par humilité, par discrétion, par pudeur envers Allah. Et pour rappeler, rien ne vient de moi. Il n'y a rien qui vient de moi. Tout vient de toi, ya Allah, par modestie. Alayhi salatu wassalam. Et c'est celui qui a dit, man tawada'a lillah rafa'a. Est-ce que ça veut dire que, et attention ici, est-ce que ça veut dire qu'on doit se rabaisser, agir avec modestie, humilité devant les gens afin que Dieu nous élève devant, sur les autres personnes? Ça, c'est un manque de sincérité.
Si tu te rabaisses pour que Dieu t'élève, là, ça va à l'encontre de la modestie. Non, tu te rabaisses pour satisfaire Dieu. Tu te rabaisses pour montrer aux gens, je ne suis pas meilleur que vous. Tu te rabaisses par humilité, par bon comportement. Et ensuite, parmi les fruits, ça sera que Dieu t'élèvera, Inch'Allah. Mais ton objectif, ce n'est pas, non, sinon ça va à l'encontre de la modestie. Il faut faire attention. C'est pas je me rabaisse comme ça, je sais qu'Allah va m'élever devant les gens. Non. Le résultat du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est quoi? De la vie, du comportement, de la modestie du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est que pendant des centaines, des milliers d'années, jusque la fin des temps, chaque jour, il n'y aura pas une seconde où il n'y a pas un être humain sur la surface de la terre qui ne dira pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À chaque moment, à chaque instant de la journée, il y a un endroit dans le monde où on fait al-adhan et on dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Man tawada'a lillahi rafa'a. Donc toi, ne te dis pas oui, mais regarde, ils vont m'écraser. Toi, tu le fais pour Dieu. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Et c'est pour ça qu'il est important de voir toujours celui qui est en face de toi meilleur que toi. C'est comme ça que réagissaient les pieux, les vertueux. Et c'est eux qui ont donné les meilleures définitions de la modestie. Prenons la parole de Al-Fudayl ibn Iyad. Rahimahullah ta'ala. Ils l'ont interrogé sur qu'est-ce que la modestie? Qu'est-ce que l'homme modeste? C'est quoi le modeste? Il dit, c'est de suivre la vérité, de t'y plier. De suivre la vérité après que tu t'es plié à cette vérité. Même si elle vient d'un enfant. Même si elle vient d'un enfant ou du pire ou du plus grand des ignorants. Radiallahu anhum. Regardez comment ils avaient compris la modestie à Tawadou. C'est que quand on te montre la vérité, peu importe, même si c'est un enfant, c'est une vérité, eh bien tu prends la vérité et tu suis cette vérité. Tu vas pas dire, c'est pas un enfant qui va me montrer. C'est pas un ignorant qui va me montrer. C'est pas... Abu Huraira, il est revenu avec quoi? Ayatul Kursi. Ça a été un conseil de qui? Un djinn. Qui, quand vous connaissez la longue qissa dans Al-Bukhari, où il l'a attrapé à plusieurs reprises alors qu'il voulait voler les dates qui appartenaient aux musulmans de Zakat, etc. À la fin, il lui a dit, lâche-moi et je te dirai qui je suis. Il a dit, je suis Shaitan et je vais te donner une chose qui sera bénéfique. Et c'était quoi? Ayatul Kursi, en lui disant que personne ne récite Ayatul Kursi sans qu'il soit protégé, Shayatin y prenne la fuite. Le prophète, il a dit, c'est un pervers, un grand menteur, mais il a dit vrai. Le conseil est venu de qui? Du diable. Donc nous on prend le conseil, c'est ça l'humilité. Il dit, Al-Fudayl, ou bien du plus grand des ignorants. Le plus grand des ignorants, il te donne une nasiha, un conseil qui est vrai. Ou bien il y a 1000 mensonges, mais il y a une vérité, prends la vérité. Plie-toi à cette vérité, suis cette vérité. C'est ça le tawadou. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Ils n'arrêtaient pas d'insister pour qu'ils leur disent, qu'est-ce que la modestie? Dis-nous qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi la définition? Jusqu'à ce qu'il a dit... Al-Hassan al-Basri, vous voulez savoir c'est quoi la modestie? C'est an yakhruja rajulan. C'est que rajulun, c'est que un homme sorte de sa maison min baytihi fala yalqa musliman illa dhanna annahu khayrun minhu. C'est qu'il sorte de chez lui sans rencontrer un seul musulman en se disant il est meilleur que moi. Allah. Eh bien, si on réagissait comme ça, le monde irait beaucoup mieux.